Good morgen, allez, Iden, les tutos, je ne veux pas me réveiller, je me réveille, 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 ainsi que d'une fois d'avoir mon ruben réout, betor, charol, Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, de notre chaîne d'études de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions, Maserhet, Zvachim, Perekret, Mishnah, Dalet, Evre, Khatat, Shnit, Arvou, Be, Evre, Ola. Rabbi Eliezer Omer, Iten, le Malan, Veroe, Aniet, Besar, Khatat, Mele, Malan, Keilou, Etzim. Vachachamim, Omrim, Te, Ubar, Tsuratan, Veyetse, le Bet, Asrefa. Deuxième partie de la Mishnah précédente, on avait commencé à parler des mélanges de membres de korbanot lorsque chaque membre, chaque espèce de korban a des halakhot, restrictions particulières. Que faire lorsqu'elles se mélangent? De manière générale, la Mishnah précédente, elle nous avait dit, écoute, dans la mesure où tu peux respecter toutes les restrictions des deux en même temps et trouver un espace commun, un dénominateur commun et les manger avec ces restrictions-là, tu le feras. Par exemple, on avait parlé dans la Mishnah précédente de Hacham et de Shlamim. Le Hacham, c'est un Kodesh Kodashim, c'est mangé à l'intérieur de l'Azara par les Kohanim, mâles, pendant un jour et une nuit, tandis que le Shlamim, il est consommé pendant deux jours et une nuit, dans tout Yerushalayim, par les hommes comme par les femmes, même par les Béné Israël. Lorsque les membres se mélangent, on avait rapporté le cas de deux plateaux, la basse-côte d'un Hacham et la basse-côte d'un Shlamim qui se mélangent, on ne sait pas qui est qui. Eh ben c'est pas grave, tu donnes les deux à manger au Kohanim avec les restrictions, on se dépêche vite de les manger en un jour et une nuit, et au pire, on les sortira au Betapsoud. À présent, on va parler dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un mélange qui se produit entre des membres de Khatat et des membres d'une Ola. Par exemple, on a porté une Kisba, une brebis, et en Korban Khatat, et une fois qu'ensuite, dans la Hazara, là-bas, il y avait les Shulchanot, il y avait les tables là-bas, où on dépaisse les animaux, et puis ensuite, on fait sortir les membres, on les sectionne et tout ça, on les partage, et les membres qui vont monter sur le misbéach. On s'est retrouvé là-bas avec un plateau, deux membres de Khatat, qu'on a laissé poser sur un plateau, deux secondes, le temps de finir, de faire autre chose. Et le Kohen qui était à côté de l'homme, moi, alors lui, il était en train de s'occuper d'un keves, hola, d'un mouton, hola. Et il a fait la même chose, il a laissé les deux plateaux, il n'a pas fait attention à ce qu'il a mis à droite, il a mis à gauche. On s'est embrouillé. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a une Ola et un Khatat. Qu'est-ce qu'on fait? On peut rien faire en théorie, on est bloqué avec cette viande. Qu'est-ce que vous proposez? La Ola, Hachem nous dit de la faire monter entièrement sur le Misbéach. La Khatat, elle nous dit de la donner à manger au Kohanim. Vous allez me dire, on n'a qu'à partir tout brûler. Bonne idée, mais c'est une très mauvaise idée. C'est Beferouche, c'est explicite dans les psukim qu'on n'a pas le droit d'apporter une chose qui ne doit pas monter au Misbéach. Il y a un interdit de la Torah de faire monter les membres qui ne doivent pas monter sur le misbéach. Regardez, on va sortir ça tout de suite. On approfondira ensuite, à la fin du... Une fois que je vais vous présenter toute la Mishnah, on approfondira Bezrat Hashem les psukim, parce que ça fait toujours du bien de bien connaître les psukim de la Torah, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, et surtout que tout va dépendre en fait des psukim. Pour le moment, je vous le lis juste facilement. Il y a marqué, on est dans Perek Bet, Pasuk Yud Alef, « Kol amincha asher takrivu l'Hashem, lo te'ase chametz. » Toute oblation de blé que vous allez offrir à Hachem, au Beth Amikdash, vous allez en faire une mincha, alors l'oté assez chametz, elle ne devra pas être faite avec du chametz, vous devrez la faire avec les mêmes lois que la matzah, on ne fait pas monter du chametz sur le misbar, ça représente l'orgueil, et il faut partir offrir un korban avec humilité, à l'exception de Shavuot, mais on ne va pas allonger sur ça, ça en parle ici dans le Kli Yakar, c'est très intéressant. En tout cas, la Mishnah continue, le pasuk nous continue en nous disant Ki chol seor vechol les vaches, car tout le vin et tout sucre, le miel, le sucre, on parle en fait de fruits, lo taktiru mimenu ishel Hashem, vous ne pourrez pas les faire brûler sur le misbéach en cadeau pour les feux pour Hashem. D'accord, on va expliquer ensuite c'est quoi le seor et le dvash et tout ça. Moi ce qui m'intéresse c'est ce pasuk pour le moment. Lo taktiru mimenu ishel Hashem. Le pasuk aurait pu nous dire l'otaktiru l'Hachem. Vous ne ferez pas brûler pour Hachem. Si le pasuk voulait me dire uniquement tout le vin et tout miel, vous ne le ferez pas brûler sur le misbéach, il va me dire Kichol seor vechol des vaches, l'otaktiru l'Hachem. Pourquoi le pasuk avait besoin de me dire l'otaktiru mimenu ishe l'Hachem? Alors, parmi tout ce qu'on apprend de ce pasuk, une des choses qu'on déduit, c'est de dire l'otaktiru mimenu ishe l'Hachem. Tout ce que tu vas apporter, mimenu ishel Hashem, l'otaktiru le reste. C'est-à-dire, lorsque j'apporte par exemple un korban khatat, alors il y a des membres qui vont partir sur le misbéach. Parmi tout ce korban khatat, il va y avoir
un échantillon qui va monter sur le Mizbéar, qui sont les Chalavim, sur les Klayot, sur le Kaved, le Teret HaKaved, et le... D'accord, il y a les trois parties qu'on apporte toujours, à Keiva. Et donc, il faut faire monter des parties du Khatat sur le Mizbéar. La Torah vient me dire, Lo taktiru mimenu ishel Hashem, kol shemimenu ishel Hashem, lo taktiru. C'est-à-dire, tout korban que vous avez, que je vous ai ordonné de prendre une partie de lui pour le faire monter sur le Mizbéar, et bien, lo taktiru, vous ne le ferez pas monter sur le Mizbéar. C'est-à-dire, concrètement, mon korban khatat, la Torah m'a dit, regarde, tu vois là, les petites graisses là, chelev aklayot, et yoter atakaved, et là-bas, tu prends ces korbanotes là, et c'est par là que tu les fais monter, et tout le reste, je t'interdis de le faire monter sur le Mizbéar. D'accord ? On met de côté pour le moment le pesouk. On va l'expliquer ensuite encore mieux pour expliquer la marque 4 dans la Bénézère Khamim. Pour le moment, on prend le compte de la Mishnah. Donc, lorsque j'ai maintenant mes membres de Khatat qui se mélangent avec les membres de la Ola, je ne sais pas quoi faire avec eux. Je suis bloqué, je ne peux pas les faire monter sur le Mizbéar apparemment, parce que le Khatat n'a pas le droit de brûler sur le Mizbéar. Je ne peux bien évidemment pas les donner à manger au Kohanim, parce que la Ola, elle monte pour le Mizbéar, interdiction formelle de la manger par les Kohanim, de la faire manger par les Kohanim. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben, Rabbi Eliezer, il a une solution. Rabbi Eliezer Omer, il ten le ma'alan, veroe aniet, besarachatat le mile ma'alan, kelilu etzim. Et bien qu'il les fasse tous monter sur le Mizbéar, qu'il les brûle. Et je verrai, roe ani, je vois, et besarachatat, les membres du khatat, du korban expiatoire, d'accord, khatat, qui devait être consommé par les kohanim, et que je suis en train de faire monter sur le Mizbéar, alors qu'il y a un interdit. Donc je le regarde, eux, mais les malades, quand ils sont montés en haut, kelouhu etzim, je ne les considère pas comme de la viande, je les considère comme du bois. Et si je les considère comme du bois, j'ai le droit de faire brûler. Genre, il vient me définir à Bélézère, me dire, tout l'interdit d'apporter des membres, de faire monter les membres de la khatat sur le Mizbéar, c'est que si on veut se retrouver avec un Cohen qui voulait faire cadeau à Hachem de sa part, la viande qu'il devait consommer, il a voulu en faire cadeau à Hachem. Tu l'as fait monter pour faire cadeau à Hachem, tu transgresses en interdit. Mais tu l'as fait monter parce que, en guise de bois, c'est vrai, la Torah nous a dit de faire brûler du bois. Je ne sais pas combien il faut déduire, mais apparemment, est-ce qu'il y aura un interdit de brûler, je ne sais pas moi, une chaussure? Ouais. C'est sûr qu'il y aura du zilzoul, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, je peux l'utiliser en guise de combustible. Alors, Rabbi Eliezer me dit, bah, tu sais quoi, tu fais monter les varim du khatat, les membres de la khatat, tu l'as fait monter en guise de combustible, pas avec intention d'offrir la viande à Hachem, et dans ce cas-là, c'est parfait. Tel est l'avis de Rabbi Eliezer. Bah, Rami Amorim, non ! Ti'ubar tsuratan. Il faut que tu les laisses pourrir, se flétrir, c'est-à-dire, on a l'occasion d'évoquer plus longuement, à chaque fois que... Maintenant, il nous dit Yaniach otan achi paslu veyetsu lebet asreifa kishar psula mudashim. Teubar tsuratan, c'est une manière de dire laisse-les tels quels jusqu'à qu'à la fin, littéralement, teubar tsuratan, c'est que leur forme va passer. Prenez un aliment, vous le laissez pendant une nuit dehors, il va, le matin, il n'est pas attirant, il a l'air tout sec, bizarre, d'accord ? C'est ça que ça veut dire teubar tsuratan, selon le principe, les membres qui sont mélangés, tu les laisses de côté dans la Zara. Et jusqu'à que va venir le lendemain matin, maintenant, ils vont mimer les devenir interdits. Et une fois qu'ils sont devenus interdits, veyetse les bêtes asrefa, tu vas partir les sortir au bêtes asrefa. Attendez, parce que j'ai d'ailleurs les bêtes deshen chez Baazara. Ah, je suis Kevin, les chen etzim. D'accord. Ok. Je sais pas pourquoi. J'ai un petit doute comme ça. J'ai pas envie de vous induire en erreur, en fait. Où ça se trouve ce bêtes asrefa? J'étais sûr que le bêtes asrefa, il se trouve en dehors de la Hazara. Et lui, le Tiferet Israël, me dit qu'on a à l'intérieur de la Zara. J'espère qu'avec le temps, Bezrat Hashem, on comprendra un peu mieux. Je réalise qu'en fait, il y a maintenant le Tosot Yom Tov qui nous envoie, qui nous donne une référence. Ayen be Mishnahe, Perek Yud Bet. D'accord ? Donc, quand on arrivera à Perek Yud Bet Mishnahe, on verra là-bas Bezrat Hashem. À l'occasion, je jetterai un œil si on se rencontre une autre fois. Comme ça, je vous dirai qu'est-ce qui se passe exactement. Je reviens maintenant sur le principe. Donc, on a une marque loquette Rabbi Eliezer et Chachamim. Chachamim te disent interdit de faire monter les membres du Khatat sur le Mizbéar, t'as pas le droit. Rabbi Eliezer vient et me dit non, t'as le droit, si tu les fais monter avec intention, de ne pas les offrir en guise de korban, mais uniquement en guise de combustible. D'accord ? La marque loquette, elle démarre justement dans le pasouk qu'on a rapporté. Je réouvre, on est donc dans Perek Bet de la Torah de Vaikra. Et Pasuk Yud Alef et Yud Bet. Je relis les psukim maintenant en expliquant un petit peu mieux ce qui se passe.
Kol hamincha asher takrivu l'Hashem. Toute oblation que vous allez offrir pour Hashem, lotea se chametz. Interdit d'en faire du chametz. Ki chol seor vechol devash. Car la Torah insiste en nous disant que tout ce qui est levain et tout ce qui est sucre, c'est-à-dire des fruits, lotaktiru mimenu ishel Hashem, vous ne pourrez pas les brûler sur le misbéach à Hashem. À inclure aussi ici, comme ce qu'on a expliqué, interdiction formelle aussi, qu'un korban duquel tu dois prendre certains membres et les faire monter sur le misbéach, les autres membres n'ont pas le droit de passer sur le misbéach. Donc en fait, il y a un interdit de brûler sur le misbéach trois choses. Le levain, c'est-à-dire une oblation qui a fermenté, les fruits, on ne fait pas monter des fruits sur le misbéach, et aussi les membres d'un korban qui ne sont pas invités à monter sur le misbéach. Trois interdits. On continue le passage prochain. Korban reshit takrivu otam l'Hashem ve'el ha-misbeach lo ya'alu le'reach nichoach. Littéralement, un sacrifice de prémices, donc les bikurim en fait. Takrivu otam l'Hashem, vous devrez les présenter à Hashem, les offrir à Hashem ve'el ha-misbeach lo ya'alu le'reach nichoach. Mais vous ne le ferez pas monter sur le misbeach le'reach nichoach en tant qu'odeur agréable en l'honneur d'Hachem. Soit, c'est quoi ce corban de prémices? C'est tout simplement, à partir du lendemain de Shavuot, on avait l'habitude de commencer à porter les bikurim, les prémices des récoltes, jusqu'à Sukkot, on les apportait en général. Et lorsqu'on les apporte, on doit les prendre et les apporter devant le misbéach. On fait ce qu'on appelle la hagasha, on les présente devant le misbéach, mais on ne les fait pas monter sur le misbéach. Ok? Une fois qu'on les aurait, après, il y a tout un rituel qu'on va faire, on dit à Rami, au Vadavi et tout ça, et puis après on les donne aux Kohen, et les Kohen vont se les partager, vont les manger. Ok ? Interdiction formelle de le faire monter sur le misbéach. Maintenant, la Torah me dit, attention, regardez les mots supplémentaires. Certes, tu vas les apporter, Korban Rishit Takrivu Otam Hashem, tu vas les présenter à Hashem, mais vers la misbéach, lo ya'alu le'reach nichoach. Tu ne les feras pas monter sur le misbéach en tant que bonne odeur agréable en l'honneur d'Hashem. Cette insistance, elle vient me dire, sache que les Re'ach Nichoach, tu ne les fais pas monter, mais tu les fais monter en tant que Etzim. C'est-à-dire, tu ne les fais pas, tu vas pas faire brûler des fruits sur le Misbéach, en guise de, si tu veux faire une offrande à Hachem, tu ne fais pas une offrande de fruits. Mais si toutefois tu veux les faire brûler parce que tu as besoin d'un combustible pour transporter, eh ben tu as le droit. C'est comme ça que c'est interprété. Je ne connais pas exactement la limite à quel point est-ce que j'ai le droit d'amener un kilo de fruits et les faire brûler. Je ne veux pas m'engager, je ne sais pas. Je répète pour le moment ce qu'il y a écrit ici dans le Bar Tabora, que maintenant, en tout cas, lorsque tu as une raison pour laquelle que tu veux le faire monter, tu as le droit de le faire monter en guise de Re'ach Nichoach, en guise de Etzim, en guise de bois. Alors maintenant, expressément, le pasouk saurait faire, c'est-à-dire, si on interprète donc ce Re'ach Nichoach, que tu as le droit de faire monter quand même en guise de Etzim, ça saurait faire essentiellement sur Korban Reshit, sur les Bikurim, éventuellement sur les Shte Alechem. Et la question de savoir, en fait, la marquette pour Rabbi Eliezer Ramim, elle va être, est-ce que, puisque tu as évoqué dans le passage précédent trois choses, le levain, les fruits et les restes des corbanotes, maintenant, quand le passage vient me dire, sache que tu ne les feras pas monter sur le misbéach en tant que Re'ach Nichoach, mais que tu pourras les faire monter en guise de Etzim, on se réfère sur ces trois-là, ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer, donc dans ce cas-là, les membres du corban Khatat que tu veux faire monter en guise de Etzim, en guise de bois, tu pourras les faire monter, tandis que Ramim nous dit non, Otam, on se rapporte que sur ce qu'on a évoqué expressément, qui était Kol Seor Vechol des vaches, que tu as le droit de faire monter certes du pain, le vin et des fruits, tu as le droit de les faire monter sur le misbéach en guise de Etzim, mais la dérogation n'a pas été, ne s'applique pas sur les restes des korbanotes, donc interdiction formelle de faire monter les membres du Khatat qui se sont mélangés, selon Ramim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.